Salam alaikum. Donc je viens présenter ici à Tanger mon premier court-métrage sur la tombe de mon père, dont l'idée est née suite au décès d'un proche qui m'a plongé dans ces circonstances et qui a été un révélateur de la manière dont les enterrements se passent en terre d'islam, avec les différents degrés selon la terre en question. Et voilà, j'ai eu à cœur de raconter ma propre expérience et de transmettre, de traduire cette onde de choc que ça a été pour moi. J'ai commencé par chercher la plus jeune des comédiennes, celle qui interprète le rôle principal de Maïne, et ça a été très long, très laborieux. Mais une fois que Yasmine Kefil est entrée dans la salle, ça a été une évidence. Elle incarnait immédiatement cette jeune fille révoltée. Et à partir d'elle, on a pu construire le reste de la famille avec des comédiens qui nous ont tous surpris en casting et on était ravis de les avoir avec nous. Sur la tombe de mon père raconte l'histoire de Maïne, une préadolescente franco-marocaine qui retourne au village de son père pour l'enterrer et qui à cette occasion va se rendre compte qu'elle n'a pas le droit d'assister à l'enterrement et va se révolter contre cet interdit. Le cinéma marocain me semble de plus en plus riche. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie scène qui est en train de prendre le relais. Et je découvre ça depuis Paris où je vis avec un grand intérêt et une grande admiration. Et je suis très contente qu'avec ce premier pas, je puisse peut-être entrer dans cette cour-là. Il y a vraiment de très belles choses, très puissantes, et j'ai eu aussi la chance de rencontrer de grands comédiens et de grands réalisateurs marocains. Voilà, c'est une très belle force de vie, je trouve. C'est la chose qui me fait le plus plaisir, vraiment. C'est une sélection qui me touche au plus profond. C'est la première fois que je peux venir le présenter au public marocain, et c'est un film qui est principalement destiné aux Marocains dont je suis. Donc vraiment, c'est une sélection qui m'honore, qui me touche et qui me bouleverse même. J'ai très 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 hâte de le présenter.